bienvenue à Châteauroux. Donc moi je suis Damien, agent APIS à Châteauroux depuis plus d'une dizaine d'années. Donc on est en charge des briefings pour les compagnies, pour vous ce matin, vous accueillir. Les distances de la piste, donc en 21, hein, vous avez 3500 mètres de bande totale. Gestion environnementale, généralement quand c'est possible on essaie d'alterner les mains droite, main gauche pour justement limiter le passage des riverains. Le village de Montières-Chaume que vous verrez assez facilement. Mais voilà, là aussi c'est pareil, on est quand même sur des heures. Bien, aujourd'hui, on vient avec nos stagiaires qui intègrent Air France et Transavia pour leur apprendre à poser le vrai avion. On les a pris en main au simulateur pour faire les tours de piste et préparer cette journée avec eux. Maintenant, l'outil simulateur ne permet pas non plus de ressentir tout ce que fait l'avion, de faire corps avec la machine. Et donc, on a besoin de voir, avant de les emmener avec des passagers, leur réaction et voir s'ils ont vraiment la maîtrise de la trajectoire et la maîtrise de la zone de toucher sur l'ordre de l'atterrissage. Donc on va valider tous ces exercices en répétant à minima 6 fois des tours de piste. Et si les atterrissages et les décollages sont concluants, on peut valider l'exercice. Et si nécessaire, on pourra prolonger éventuellement la journée ou le nombre de tours de piste pour nous assurer que le stagiaire maîtrise correctement l'atterrissage et la zone de toucher prévue réglementairement. Qui vont avoir le même nombre de simulateurs que quelqu'un qui est expérimenté. Le suivi sera beaucoup plus intense et beaucoup plus long pour un stagiaire expérimenté. Et la différence aussi, c'est qu'ils vont effectuer ce vol qu'on effectue aujourd'hui, le vol en ligne, pour nous assurer que le premier atterrissage sur avion s'effectue correctement et donc sans passager. Une fois qu'on valide cet exercice, on pourra commencer les formations avec des passagers à bord, puisque la partie pilotage pur, atterrissage et décollage ne posera aucun problème. Donc là, la problématique pour nous, c'est qu'on n'avait jamais connu un arrêt aussi long. Il a fallu se remettre un petit peu dans nos procédures, dans les automatismes qui étaient un peu perdus. Et surtout, nous assurer qu'il n'y avait pas de lacunes à ce niveau-là. À Transavia, nous avons prévu une séance de reprise pour chaque pilote qui intègre les procédures normales, les procédures anormales et un cycle pilotage. Pour nous assurer que les pilotes à Transavia sont complètement à même de reprendre les vols avec des passagers. Et les personnes étaient assez demandeurs à refaire du simulateur pour s'assurer et reprendre les vols en toute sérénité. Bien, merci, bienvenue à Châteauroux et je vous souhaite bon vol. Merci, toujours un plaisir de venir ici.